Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Et bien vous l'avez compris, votre émission Les Potins de Yumi sont de retour sur Ivoire TV Musique, le canal 209 du Bouquet Canal. Et bien je ne pouvais commencer votre émission sans vous souhaiter les meilleurs vœux. Vraiment mes vœux les meilleurs à chacun d'entre vous. Que cette année 2023 et bien soit une année remplie de positivité de chacun d'entre vous et même dans différents secteurs d'activité. Alors, on va commencer nos bérets, nos affirages. Donc, je me mets bien en position. Voilà, parce qu'on va aller du côté de chez Nobo, le Cameroun, avec Coco Emilia et Francis Memba. Décidément, finalement, ces deux-là, on ne sait plus trop quoi penser. Est-ce qu'ils sont en couple? Est-ce qu'ils ont divorcé? Qu'est-ce qu'il en est clairement dans cette histoire de couple, Francis et Coco Emilia? Eh bien, je vous explique. Le week-end dernier, eh ben, Francis Mohamed est parti au domicile de la mère de sa fille, Sophie, qui est Coco Emilia. Le week-end s'est bien passé. Ils ont même passé une soirée cocooning sous la couette. Mais le week-end terminé, on voit sur Snapchat les gars et gosses en train de se clasher. Non, mais c'est toi qui es venu ici. L'autre aussi, il va dire que non, c'est toi qui es venu sous mes draps. Non, mais c'est pas parce qu'on a fait. Genre, il veut faire une façon à la ténor, unis, façon à... Heureusement qu'il n'y a pas eu de bloc cadenas devant les enfants. Mais bon, nous, ce qu'on veut, c'est que toute cette histoire prenne une bonne fin parce que, mine de rien, il y a un enfant, un trésor au milieu. Et c'est pas tout au Cameroun. Eh bien, on a un individu qui a été interpellé chez lui à domicile avec une somme, écoutez bien, 8674 milliards. C'est-à-dire que le gars, il fait un cassa et il le garde chez lui à son domicile. 8674 milliards. Oh là là, en fait, j'essaie d'imaginer un peu combien... Je pense que ça peut remplir cette pièce, hein, si je me trompe. Si, 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 bien sûr. Mais il s'est fait choper, donc finalement, tout ça pour ça, comme dirait l'autre. Hein? Oh là là, mais quoique, ce n'est pas une bonne chose de voler. La réussite, ça se gagne à la sueur de son front. Car ce qui se gagne facilement, eh bien, on le perd facilement. Et ce n'est pas tout. On termine à l'international du côté du Zimbabwe avec un ingénieur autodidacte qui s'appelle Maxwell. Il s'appelle Maxwell Chibuzo. Il a inventé le premier hélicoptère qui convertit directement les radiofréquences en énergie propre et renouvelable. Il a aussi inventé une télévision qui fonctionne sans alimentation. C'est-à-dire qu'une télévision qui fonctionne sans alimentation. À votre avis, ce n'est pas ingénieux ça? Et la série sur les gâteaux, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il fabrique une voiture électrique qui fonctionne sans bactéries. Eh ben, l'Afrique est pétrie de talents. On ne peut qu'encourager cela. Mais on ne peut faire les potins sans penser à chez nous pays, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire. Parce que ici, chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a toujours un buzz qui glisse par ici. Eh bien, on va parler de Kérosène. Kérosène qui a décidé maintenant d'afficher sa dulcinée, son cœur, sa côte, qui, je peux vous dire, est magnifiquement belle. Et elle a des formes très généreuses. On comprend maintenant pourquoi notre artiste, hein, notre artiste a sorti des choses qui nous mettent dans le cœur. Parce que dans le titre, elle est dit, c'est comme si on dit aux autres, bon, celle que voilà, elle est là maintenant. Donc, vous les autres, hein, c'était du passé. Je me mets au sérieux avec ma dulcinée. Et encore, toujours en parlant des histoires d'amour, on va parler de notre gringo national, bien sûr. Tiesco le Sultan. Mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Ce trio d'amour, Lolo Beauté, Tiesco le Sultan, Camille Makosso. Qu'en est-il? Eh bien, Tiesco a fait une sortie aujourd'hui en matinée, sur la toile en disant qu'il allait prendre une pause dans la relation qu'il a avec Lolo Beauté. Quoique, bon, il y a un peu de raison. Moi, finalement, je me disais, c'était un buzz ou peut-être c'était vrai. Mais c'est pas tout. Il dit qu'il prend une pause parce qu'il est fatigué d'être insulté par le général Camille Makosso. Bon sang, bonsoir. Oh là là. Et donc, pour que les choses s'arrangent, il dit qu'il s'éclipse. Il va se concentrer sur sa carrière musicale afin que Lolo puisse régler les choses comme il faut avec son grand frère. Il ne veut pas être la cause d'une séparation fraternelle entre Lolo Beauté et le général Camille Makosso. Suite à ça, Lolo a fait un direct sur la toile où elle était en pleurs. Où je peux l'imaginer? Elle est mitigée entre deux hommes, entre l'homme qu'elle aime et son frère adoré qu'elle aime. Quel choix fera-t-elle?
Pour ça, comme dirait l'autre, on aura la réponse dans 3 jours. Et puis pour terminer, en beauté en Côte d'Ivoire, on a 2 icônes de la musique africaine en Côte d'Ivoire. Didi B, Mr. Mojavelli, qui a eu un prix au Afrima, voilà, il a eu un prix au Afrima en tant que meilleur titre de l'année avec sa chanson Tala. Et notre diva José, qui a été elle meilleure artiste féminine de l'Afrique de l'Ouest. On ne peut qu'acclamer ça. Voilà, moi j'applaudis. Voilà, j'applaudis parce que c'est l'Afrique et la Côte d'Ivoire qui gagne. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. C'est bientôt la Saint-Valentin. On vous réserve beaucoup de choses. C'était Ariel Lumi pour l'Impotent Yumi. Gros bisous. Et prenez soin de vous.